Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire un basique, pas n'importe lequel, un basique qu'on va utiliser samedi dans ma vidéo. Je vous en dis pas plus, mais je vais vous dire ce qu'on va faire ensemble. On va faire ensemble des tortillas. Alors, je les ai pas fait à la farine de maïs, mais vous pouvez très bien le faire. Je vous proposerai une alternative dans les ingrédients de la barre d'infos. On peut également remplacer la farine de maïs par de la polenta, ça fonctionne très bien. Je vous livre ma recette, donc qui est 100% blé. Je vous laisse la découvrir et on se retrouve après. Pour cette recette, il va te falloir 600 g de farine, 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile et 270 g d'eau tiède. Tu commences par mettre la farine, le sel et tu mélanges bien en formant un trou au centre. Tu rajoutes l'huile et tu mélanges du centre vers l'extérieur. Puis petit à petit, tu rajoutes l'eau et tu continues à mélanger avec les mains. Quand toute l'eau est ajoutée, tu mets la pâte sur un plan de travail et tu vas la pétrir au moins 10 minutes et c'est très important pour bien l'assouplir. Tu mets le tout dans un papier film ou ici dans un film alimentaire réutilisable comme un bivrap et tu laisses reposer 30 minutes au frais. Tu divises la pâte en 10 morceaux et tu les façonnes en boules. Tu étales chaque boule sur un plan de travail en gardant la forme ronde sur environ 1 à 2 mm, ça doit être très fin. Tu fais chauffer une poêle ou ici une crêpière et tu cuis chaque tortilla des deux côtés 3 minutes environ et c'est terminé. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de faire ces super tortillas de blé. Mon Facebook, mon Instagram, avec mon Pinterest, avec mon blog, avec la recette, ça se passe dans la barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve samedi.